se coiffer, ce n'est pas que se rendre belle, c'est privilégier avant tout la santé des cheveux et du cuir chevelu. Voici le mode opératoire de l'Institut de beauté Fémise. Ce centre de beauté a décidé de mettre la santé au cœur de son activité. Face aux tresses serrées, très fréquentes, aux traitements et coiffures inadaptés exerçant des pressions sur les cheveux et aux mèches qui, au contact de la peau, entraînent des problèmes de démangeaison et d'irritation chez certaines femmes, l'Institut Fémise propose des applications de soins capillaires basés sur la santé des cheveux. Et pour assurer la gestion optimale de ce programme de santé, l'Institut de beauté est en collaboration avec le laboratoire de galénique de l'UFR des sciences pharmaceutiques de l'Université Philosophe Boigny d'Abidjan. La spécificité de Fémise, c'est que d'abord, nous faisons un coaching personnalisé, basé essentiellement sur la santé du cuir chevelu et du cheveu. Nous avons constaté que partout à Abidjan, vous voyez malheureusement, des personnes qui ont des dégarnissements au niveau de la lisière dues à des mauvaises pratiques, dues à une utilisation de mauvais produits, voilà. Des défrisages abusifs, des tresses, des tissages qui sont mal faits. Donc tout cela justement conduit à des alopécies de traction et tout. Donc nous voulons rappeler aux dames que ce qui prime, ce qui est important, ce n'est pas tant la coiffure, mais c'est d'abord d'avoir un bon état au niveau de son cuir chevelu, qui suppose aussi un bon cheveu et avec lequel on peut se coiffer tout le temps. L'Institut de beauté Fémise, pour assurer la bonne gestion du volet santé, a également recours à la digitalisation. Fémise s'est doté d'un logiciel permettant de gérer avec facilité et sécurité les ressources humaines, matérielles et logicielles. Le choix de la digitalisation pour pouvoir sécuriser, les clientes. Ce que nous leur offrons, c'est d'abord la possibilité d'être belles, mais de ne pas perdre leur potentiel santé. C'est-à-dire, c'est leur potentiel santé qui leur permet d'être belles de façon durable. Voilà. Ça, c'est très important. Et la digitalisation aide à cela, en ce sens où, quand une cliente arrive, vous savez au jour le jour ce qu'elle a subi comme prestation, quels sont éventuellement les retours que vous avez sur les prestations qu'elle a subies, et vous savez avoir une traçabilité de tous les actes qui ont été posés sur une cliente. Comme le fait déjà Fémise, il appartient au centre de beauté de suivre ce genre d'exemple basé sur la santé. Même si la beauté fait rêver, la santé, elle, n'a pas de prix.